président de la République, je trouve que tu t'habilles mal. Tu veux dire quelque chose à Papa Chaton? C'est pas hyper intelligible, mais je crois qu'elle a dit connard. Ça va, Bachour? La life? Tranquillou bilou? Fare l'amore. Questa è la cosa la più importante della mia vita. Eh? Please, Mom, Dad, Jesus. Donald Trump. Forgive me for what I'm gonna say. Salut, Antonia. Bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Dis-moi, vous êtes combien? Sur scène? Oui. Je crois que dans le spectacle, j'ai compté qu'officiellement, il doit y avoir 25 personnages, mais je crois que si je compte les petites voix que je fais en plus, je crois qu'on est 40. Et ça va? Tu arrives à gérer avec les 40 personnes que t'as à l'intérieur? Mais ces personnes-là ne m'appartiennent pas. À partir du moment où je suis sur scène, je vois bien. Il y a quelque chose d'un tout petit peu bizarre qui se passe dans ma tête. Elles disent des choses affreuses. Je ne suis absolument pas responsable. Dis-moi, tu t'inspires de quoi dans la vie de tous les jours pour nous raconter autant de choses? Je ne sais pas si je m'inspire de façon consciente. Je crois que, c'est, encore une fois, comme je pars beaucoup d'impro, il y a énormément de choses que j'ai faites en improvisation sans me dire tiens, je vais faire un sketch. C'est peut-être justement le spectacle moins réfléchi, le plus impulsif que j'ai eu jusqu'à présent. Parce que en fait, c'est souvent des choses qui ont un peu jailli en impro et que j'ai trouvé intéressantes et que je voulais retravailler. Alors parfois le personnage a changé, le texte est resté le même, ou parfois c'est le personnage qui a généré un nouveau texte. Alors, moi, il faut que tu m'expliques, parce que tu viens d'un domaine qui n'a rien à voir avec le théâtre. Tu fais d'abord des études, c'est très bien, un DEA en sociologie, et tu bifurques vers le spectacle. C'était un choix. Oui, alors, encore une fois, c'est marrant, parce que c'est des questions qui convergent un peu toutes vers la même chose, c'est-à-dire choisir. Je ne suis pas sûre qu'on choisisse ce métier, je crois que c'est un métier qui nous choisit. Et moi, en fait, je faisais des études supérieures de lettres, puis de sociologie, j'ai commencé un doctorat en sociaux. Après 10 ans d'études, j'ai décidé de m'arrêter, parce que j'étais déjà comédienne et que je gagnais ma vie comme ça. J'ai commencé à faire du théâtre d'impro à l'âge de 18 ans, ouais. et ça s'est tout de suite imposé à moi comme étant quelque chose d'inéluctable auquel j'allais pas pouvoir échapper. Et t'as pratiqué de l'impro. On apprend quoi de l'impro? Est-ce que c'est utile après, quand on veut aller plus loin? Alors l'impro, je trouve, quand on veut faire du seul en scène, quand on veut faire de l'humour et qu'on veut être un peu autonome, je trouve que c'est une très bonne école. Ça apprend à être créatif, à être concis, à inventer des personnages, des histoires. C'est un petit peu, je dirais, une école de tous les métiers de la scène, puisqu'on est à la fois son auteur, son metteur en scène et son propre interprète. Et ça apprend à écouter les autres sur scène, ça apprend à être créatif, ça apprend aussi le bide, à savoir recevoir des bides et à savoir se dire que c'est pas grave, à ne pas avoir peur du ridicule, à se chercher. Je trouve que c'est un très bon laboratoire de travail, l'impro. Et alors, moi j'ai bien évidemment assisté à ton spectacle « Moi, je ». On en prend d'abord plein la gueule parce que on est presque dépassé par les événements tellement les choses vont très vite. T'es marrante et brillante. Non mais je le dis, je suis complètement objective. Hein, c'est une obligation. C'est très intelligent, c'est travaillé. On le sent. Alors bon, tu me parles beaucoup d'impro, mais c'est évidemment bien, très bien travaillé. Et en même temps, tout le monde en prend pour son grade. Parfois, t'as pas peur d'aller trop loin? Est-ce que aujourd'hui, on est quand même dans une période où les gens sont très susceptibles, où on a peur de rire de tout, les gens deviennent très très craintifs quant à l'humour. Est-ce que toi, tu te mets quand tu écris quelque chose, est-ce que tu te dis à un moment donné? Ça va faire rire, non, ça va vexer, non, ça va pas vexer. Comment ça se passe? Bah justement, comme tu le dis, tout le monde en prend pour son grade. Moi comprise, la société qui m'a générée en prend autant que... Voilà, j'ai l'impression d'appartenir à un cosmos dans lequel, si moi je suis capable de rire de moi, alors j'ai le droit de rire des autres. En plus de ça, moi j'appartiens entre guillemets à une communauté qui est un peu vague, puisque finalement, oui, je suis issue d'un milieu plutôt catholique, aristocratique, etc. Mais finalement, aujourd'hui ça veut plus dire grand chose, dans le sens où je trouve que tout ça est relativement. J'espère faire partie d'une mixité sociale dans laquelle moi je suis mariée avec un Sud-Américain, nos enfants sont métis, voilà, lui il est.
plutôt d'une famille catholique. Moi, je suis d'une famille dans laquelle, finalement, la religion est un fond, mais n'a pas autant de ferveur. Et je côtoie des gens dans le métier qui sont noirs, blancs, homosexuels, qui pratiquent une religion ou qui n'en pratiquent pas. Et je pense qu'à partir du moment où mon public est ouvert d'esprit, je peux aller sur tous les terrains. Et après, je pense pas aller sur des terrains très glissants, parce que je pense que j'aborde toujours les choses avec tendresse. Et avec beaucoup de légèreté. Et avec légèreté. Et quand même, quand bien même je parlerai de sujets qui peuvent être sérieux, si je parle de sexualité, si je parle de mixité sociale, si je parle de religion... Tu te moques aussi de ton public, parce voilà. qu'on en a pris aussi pour notre regard. Oui, mais je pense que les gens, ils en prennent pour la grade, mais en même temps, je prends personne à partie, à proprement parler. Je fais monter personne sur scène, je regarde... Par exemple, quand je désigne des gens, je désigne des gens entre les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je ne lance jamais mon regard vers une personne en particulier. Je pars du principe que j'invente aussi un personnage entre deux. Et tes projets, alors, dis-moi. Une tournée ? Alors, après Paris, normalement, il y a une tournée qui commence. Tu pars à Liège bientôt, je crois. Tu reviens de Liège. Je reviens de Liège. Donc là, je ne sais pas quand on sera diffusé le sujet. Mais Je pense qu'il sera diffusé demain. Voilà. Et ben, jeudi prochain, je suis en Charente. Donc, exceptionnellement, j'ai une relâche. J'ai une relâche aussi le 1er décembre, parce que je serai au gala d'ouverture du Festival de Montreux. Et puis, sinon, bah, Paris jusqu'au 31 décembre. Et après ça, des dates de tournée. Peut-être une poursuite du spectacle à Paris. On est encore en discussion avec la prod. Et puis, sans doute Avignon. Voilà. Sans doute Avignon avec ce spectacle. Et puis une reprise parisienne en septembre. Enfin voilà, moi j'attends les directeurs de casting et le cinéma en fait. C'est vrai. Si je pouvais avoir des projets de rêve, ce serait ça. Bon, allez, on se met à rêver là tout de suite. Ouais. Dis-moi, quel serait dans l'idéal ton spectacle ou le rôle de ta vie ? Je sais pas si j'ai vraiment un... Je crois que j'attends des choses qui n'existent pas encore. J'ai pas forcément envie de m'imaginer dans... T'as une voix exceptionnelle, je te le dis, parce que c'est un peu mon métier. Elle s'adapte à tout, ou tu t'adaptes à elle. Je sais pas comment ça se passe chez toi, mais tu as une voix... alors, je sais que tu as travaillé pour Arte, puisque tu as fait du Je fais beaucoup de doublage. De doublage. Je fais beaucoup de doublage pour Arte. Je fais aussi de temps en temps des choses devant une caméra. Hein. Là, par exemple, au printemps, il va y avoir une série de documentaires qui est la suite d'une première série de documentaires dans laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Glyptophile, nos chers ennemis. Et là, c'est la suite. Ça s'appelle Ah Europa. C'est sur les rapports franco-allemands dans l'Europe. Mm-hmm. Et j'incarne Marianne, l'icône de la France. Et alors, dis-moi, si tu devais avoir un rôle, si on devait te proposer un rôle, ce serait lequel ? Parce que t'es interprète, t'es humoriste. Ouais, mais moi, dans l'idéal, j'aimerais qu'on me propose un rôle dans une comédie au cinéma. Voilà. Voilà, je vois par exemple bientôt Caroline Vigneault va être dans À fond, dont j'ai vu l'avant-première. Et Caroline est une bonne copine et elle a eu la chance que son premier rôle au cinéma lui soit confié aux côtés de José Garcia et d'André Dussolier. Le film est génial, vraiment très très drôle. Et voilà, moi c'est le genre de choses qui me fait rêver. Je suis hyper heureuse que ça lui arrive à elle et je me dis, bah ma foi, c'est pas exclu que ça m'arrive à moi aussi. Donc c'est le genre de choses qui moi me ferait rêver, ouais. Alors, si on faisait un peu de promo, parce qu'on est aussi là pour ça. Donc, ton spectacle, dis-moi tout. C'est où, à quelle heure, et quand, et jusqu'à quand ? Alors, le spectacle s'appelle Moi, je, avec un point d'exclamation à la fin du jeu qui s'écrit J-E-U. C'est depuis le 22 septembre et jusqu'au 31 décembre au Feu de la Rampe, les jeudis, vendredis et samedis à 20h. Le spectacle dure à peu près 1h20, 1h30 en tout. Et que dire, c'est plein de personnages, plein de sketchs, tout le monde s'y retrouve et tout le monde en prend pour son grade, effectivement. Et c'est exceptionnellement drôle. Merci à toi. C'est pas moi qui l'ai dit. Merci à toi, Antonia. Merci.